Les mines et particulièrement l'or a participé de la fondation d'une réellement humanité. En effet, qui ne se souvient pas de l'or du bourré, et surtout de l'historique pèlerinage de Tambou Moussa. C'est donc à raison que vous avez voulu, pendant ces jours de travaux, amener les questionnements sur l'arbre apparent. À travers ces journées, en votre qualité de visionnaire, vous avez anticipé sur les enjeux actuels et futurs. Merci. D'autant merci le Premier ministre que les sites d'exploitation à ciel ouvert, modernes, sont source de revenus pour les populations, les collectivités territoriales et l'État. Autour de chaque mine, en effet, a émergé et s'est consolidé un tissu socio-économique local, sous-régional et international qu'il faut réussir et développer sans cesse. C'est-à-dire que les autorités de la mairie de la commune du district de Bamako ne mangeront aucun effort pour accompagner le bon déroulement de ces travaux. Avant de terminer, permettez-moi à l'occasion de la fête de Ramadan de vous adresser à vous toutes et à vous tous mes vœux une bonne et heureuse fête de Ramadan 2017. Je vous remercie pour votre aimable attention. Laissons-nous avancer en extrait dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation de ce qui procède d'Algérie et la tenue de la conférence d'entente nationale constitue des jalons importants dans cette quête de paix et de sécurité. Fasse Dieu que la nouvelle dynamique que M. le Premier ministre a imprimée au processus de mise en œuvre de l'accord soit couronnée de succès permettant de le parachever dans les meilleurs délais. Monsieur le Premier ministre, en vous souhaitant la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture, malgré les multiples contraintes de votre agenda, je me réjouis de l'intérêt que vous avez toujours accordé au développement des secteurs miniers et pétroliers perçus comme un moteur essentiel du développement économique et social harmonieux de notre pays. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le Mali est connu depuis des siècles comme un pays aux immenses richesses en or. En témoigne le légendaire pèlerinage à la Mecque effectué en 1324 par l'empereur Tambou Moussa, suite auquel le cours de l'or a chuté pendant des années au Moyen-Orient et cela a été ressenti jusqu'à Milan à l'époque. C'est pour dire, mesdames et messieurs, que sur le plan économique, s'il y a un emblème qui devrait être collé à notre pays, ce sera bel et bien le métal jaune, dont la recherche et l'exploitation chez nous. Dont la recherche et l'exploitation chez nous plongent leurs racines dans les tréfonds de notre histoire. C'est ce qui explique le fait que le Mali soit une terre de tradition, d'orpaillage, très ancienne. Mais l'entrée de notre pays dans l'ère de la production moderne industrielle de l'or date de 1984, avec l'ouverture de la mine de Kalana. Et depuis, il est devenu une destination très prisée par les investisseurs intéressés par le développement et la mise en valeur de son potentiel minier. À ce jour, une dizaine de mines d'or opérées pour la plupart par des sociétés internationales sont en production au Mali. Du début de l'exploitation industrielle à nos jours, la production d'or du Mali a connu un essor à nul autre pareil. De nos jours, les ressources minières, notamment l'or, occupent une place centrale dans l'économie du Mali. En effet, l'or représente aujourd'hui près de 70% des recettes d'exploitation, environ 25% des recettes budgétaires et 8% du produit intérieur brut. Les mines d'or en activité emploient directement et de façon permanente plus de 12 000 travailleurs et créent des dizaines de milliers d'emplois indirects. Quant aux activités artisanales du secteur, elles touchent, selon les dernières estimations, plus de 2 millions de personnes. Le gouvernement est
parvenu à ces résultats, à ces déçus évoqués, grâce à une volonté politique forte, soutenue par la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire attractif et incitatif, et la réalisation d'infrastructures géologiques de qualité, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Je voudrais profiter de la présente tribune pour exprimer à tous les partenaires qui accompagnent le secteur minier et pétrolier du Mali la reconnaissance du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, chers invités, mesdames et messieurs, après plus de 30 ans d'exploitation industrielle de l'or et de forte croissance de la production, le secteur montre des signes d'essoufflement qui nous mettent face à des contraintes auxquelles il faut trouver des réponses appropriées afin de lui permettre de rester dans sa dynamique de croissance et de lui faire reprendre la place qui est la sienne sur le sujet africain et international. Pour illustrer ce ralentissement, il suffit de rappeler que depuis 10 ans, le Mali occupait la troisième place parmi les pays producteurs d'or en Afrique après l'Afrique du Sud et du Ghana. Mais d'après les dernières estimations, cette troisième place serait occupée aujourd'hui par le Soudan avec une production estimée à 81 tonnes, dont 85% provenant de l'orpaillage. De même, il y a 10 ans, le Mali était le seul pays de l'espace du mois qui pouvait justifier une véritable expérience en matière d'exploitation industrielle de l'or. Tout le monde venait apprendre chez nous. Mais aujourd'hui, c'est nous qui partons apprendre chez les autres. Hélas. Il faut rappeler que la production actuelle n'a été possible grâce aux travaux d'exploration et de recherches fondamentales réalisées il y a des décennies dans le cadre de grands projets ayant bénéficié de financements conséquents. Or aujourd'hui, l'ensemble des activités de recherche géologique et des matières minières connaissent un ralentissement drastique, pour ne pas dire plus, du fait d'un énorme déficit de financement. Le dernier projet d'envergure en la matière s'est arrêté en 2007 avec la fin du projet Sismine financé par le Fonds européen de développement. Aujourd'hui, nous faisons le constat que les PTF dont la pluie est à la base du développement de nos secteurs miniers préfèrent orienter leur financement vers le secteur de l'économie. Cependant, je demeure convaincu qu'autant la plupart de ceux qui sont dans le secteur pays développé aujourd'hui ont réussi le processus de l'accumulation primitive du capital pour l'essor de leurs économies par le pillage des ressources des pays qu'ils occupaient, autant pour nos pays, il n'y a pas mieux d'indiquer que le secteur minier pour fournir les ressources nécessaires à cette accumulation indispensable à l'édification des infrastructures de base de nos économies. En vue d'assurer la relance et la promotion des activités de recherche pétrolière, l'OREP a été créé en 2004 et un nouveau code pétrolier a été adopté en remplacement de celui de 1969. Ces changements ont rendu possible des avancées notoires enregistrées dans la recherche pétrolière de façon générale et l'obtention des résultats concrets sur certains permis de recherche pétrolière qui permettent de fonder de réels espoirs de découvertes dans un avenir proche des gisements d'hydrocarbures, gaz et pétrole dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le niveau de l'exploitation minière actuelle de notre pays est largement en deçà de ce que l'énorme potentiel qui recèle, que recèle le sous-sol du Mali doit permettre de mettre en valeur. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de s'orienter vers une optimisation conséquente des activités des secteurs miniers et pétroliers. Sur le plan législatif et réglementaire, le gouvernement a beaucoup fait et continue d'agir pour que notre pays conserve son statut de destination sûre et attrayante pour les investisseurs étrangers. C'est pourquoi le code minier est régulièrement révisité pour prendre en compte l'évolution de l'environnement général. Et à ce jour, à cause des impératifs liés à la garantie de la stabilité des clauses fiscales contenues dans les conventions minières, trois codes miniers sont en vigueur au Mali, à savoir les codes de 1991, de 1999 et de 2012. Ce dernier qui est d'ailleurs présentement en prélecture. Le code pétrolier, lui, a été réélu en 2015. Malgré tout cela, des nuages ne cessent de s'accumuler au-dessus de certaines lignes du pétrolier de notre pays et l'horizon s'assombrit. Les défis sont nombreux et aux anciens viennent se greffer de nouveau.
Ainsi, leur paillage, activité traditionnelle dans notre pays, nous pose aujourd'hui quatre défis. Un défi économique d'abord. Personne ne sait aujourd'hui quelle quantité d'or est produite sur les placettes. Les statistiques officielles continuent à estimer la production artisanale à 4 tonnes par an. Mais de janvier à avril 2017, la douane a enregistré plus de 16 tonnes d'or exportées. Un défi social ensuite. Le travail des enfants, la déperdition scolaire, les maladies, etc. Voilà le cortège des mots sociaux qui est chargé aujourd'hui dans le voyage tel que pratiqué. Un défi environnemental, avec l'utilisation de plus en plus répandue sur les placères de produits toxiques, dont le cyanure, le mercure, etc., mettant en danger la santé des personnes, des animaux et la biodiversité en général. Et enfin, un défi sécuritaire lié à la présence sur les placères des centaines, voire des milliers de personnes non identifiées qui sont souvent à l'origine d'actes graves de banditisme. Par ailleurs, l'absence de traçabilité de la production peut favoriser l'utilisation de l'or produit sur les placères pour le financement des réseaux terroristes. Monsieur le Premier ministre, des milliers de drogues qui écument les cours d'eau du pays constituent une menace sérieuse pour l'intégrité de ces derniers et pour l'avenir de nos populations. C'est en raison de tous ces défis que le ministère des Mines a initié les présentes assises pour permettre à l'ensemble des acteurs de secteur minier pétrolier de se retrouver, de réfléchir ensemble aux solutions communes pouvant être trouvées aux problèmes qui sont posés. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, chers invités, mesdames et messieurs, les états généraux des secteurs miniers et pétroliers seront également l'occasion pour l'ensemble des acteurs de réfléchir sur le changement de paradigme en matière d'exploitation industrielle de l'or, en mettant un accent particulier sur la petite mine d'une part et d'autre part l'organisation et l'encadrement de leur paillage. Pendant 3 jours, les participants à ce forum auront à se pencher sur le thème suivant, l'état des lieux de la recherche et de l'exploitation minière et pétrolière au Mali, l'organisation du sous-secteur de l'exploitation minière artisanale, le développement communautaire, la gouvernance des secteurs miniers et pétroliers, le financement des activités de recherche et d'exploitation minière et pétrolière, la promotion et le financement de la petite mine, l'échange d'expérience des sociétés en matière de recherche et d'exploitation minière et pétrolière. Monsieur le Premier ministre, dans le domaine de la production minière, notre industrie, majoritairement focalisée sur l'exploitation aurifère, souffre de contraintes et handicaps qui entravent le développement d'un segment important et essentiel, qui est nommé la petite mine. Si les grandes unités industrielles sont à haute intensité d'équipement ou de capitaux, la petite mine, qui ne nécessite pas un financement très important et qui est particulièrement à haute intensité de main-d'œuvre, pourrait constituer une solution alternative à la fermeture programmée de certaines de nos grandes mines en raison de l'épuisement de leur gisement et constituer un excellent moyen de lutte contre la pauvreté et d'ancrage du secteur minier dans le reste de l'économie. C'est pourquoi il est impératif qu'il soit opéré un changement de paradigme en matière d'exploitation minière dans notre pays en mettant un accent tout particulier sur la petite mine. Monsieur le Premier ministre, en attendant de trouver une solution définitive à la question de l'organisation et de l'encadrement de voyage, le gouvernement, à travers un arrêté interministériel, a décidé de suspendre leur voyage pendant la période allant du 15 juin au 30 septembre. L'application de cet arrêté fait aujourd'hui l'objet d'un suivi et d'une vaste campagne d'information et de sensibilisation par mon département, accompagnée des organisations de la société civile, de la Chambre des mines et surtout de la Fédération des orpailleurs du monde. C'est pour moi, monsieur le Premier ministre, le lieu de remercier ces acteurs qui, depuis le démarrage de cette campagne, se sont entièrement inscrits dans la dynamique de la décision du gouvernement et nous ont donné l'assurance que cette année, la fermeture des sites de voyage sera observée intégralement sur tous les sites de notre pays. En contrepartie, monsieur le Premier ministre, au niveau du département, nous avons décidé de travailler à mettre en place, dès l'ouverture prochaine des sites, un dispositif qui s'appuie sur la tradition séculaire d'opérer notre pays. Que force reste aux propriétaires.
communautés traditionnelles. Que force reste au tombeau du monde. Que force reste aux mêmes chasseurs qui ont géré dans la paix et la quiétude leur voyage dans notre pays depuis des siècles. Il n'y a pas de raison que aujourd'hui les orpailleurs maliens partent ailleurs organiser leur voyage et qu'ils soient incapables de l'organiser dans leur propre pays. Donc, une autre activité en lien avec leur voyage, j'ai nommé l'exploitation de l'or par dragage et des cours d'eau, constitue aujourd'hui une préoccupation majeure. Cette activité qui devait être autorisée exclusivement par le ministère des Mines fait l'objet d'interventions illégales et désordonnées de la part de certaines autorités locales de l'État et des collectivités. En effet, aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, les autorisations de dragage sont délivrées par des préfets, par des sous-préfets, par des maires, par des agents des eaux et forêts, par des agents de l'agriculture, par des chefs de village, et j'en passe. Ainsi, plus de 3000 dragues répertoriées sur le territoire national, seuls 22 sont légalement autorisés. Cette situation constitue une source de pollution et un danger réel pour nos cours d'eau, avec un risque majeur d'atteinte à l'environnement, à la santé des populations riveraines, si des solutions individuelles ne sont pas trouvées. C'est pourquoi mon département a adressé des correspondances à l'ensemble des autorités administratives pour faire libérer les cours d'eau du pays de toutes les dragues non autorisées par les services compétents. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, mettre les ressources naturelles du Mali au service de son développement économique et social est un défi majeur que le ministère des Mines s'attelle à relever avec l'implication de tous les acteurs du secteur minier, qui sont les sociétés minières, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les acteurs du secteur. Il faut certainement que l'or du Mali brille davantage pour les Maliens. Mais pour cela, en plus des efforts actuellement déployés par le gouvernement à travers le ministère des Mines, il faut une plus grande part des revenus tirés du secteur qui soient réinvestis afin d'appuyer l'exploration et la recherche pour la découverte de nouveaux gisements et la diversification de la production minière. Il faut une meilleure organisation et un meilleur encadrement de l'artisanat minier. Il faut une meilleure gestion par les collectivités territoriales des produits de la patente acquittée par les sociétés minières dont l'intégralité aura été transférée par l'État. Et enfin, il faut extirper le secteur minier de l'emprise des fantasmes et de la démagogie de ceux qui tentent de le prendre en otage à des fins personnelles. Monsieur le Premier ministre, avant de terminer, je voudrais, avec votre permission, rendre un vibrant hommage à tous les cadres de notre pays qui ont passé leur vie au service du secteur minier et dont la plupart, aujourd'hui, à la retraite, ont soif de voir ce secteur continuer son envol tel qu'ils le lui ont communiqué. Je voudrais également, Monsieur le Premier ministre, renouveler mes remerciements au président de la République et à vous-même pour l'appui multiforme que vous n'avez cessé d'apporter au secteur minier. M'adressant aux experts qui vont travailler pendant ces 3 jours, je leur demande d'avoir à l'esprit que de leurs réflexions sont attendues des résolutions et des recommandations soit de nature à permettre d'apporter des solutions concrètes aux problèmes auxquels le secteur minier est confronté et ceci conformément aux impératifs de lutte contre la pauvreté qui sont ceux du gouvernement de la République du Mali. Monsieur le Premier ministre, avant de terminer, je voudrais encore une fois dire un grand merci aux acteurs du secteur minier et demander à tous les employeurs du Mali d'aider d'aider le département à faire observer strictement la fermeture des sites d'orpaillage et à la réouverture, je demande
à nos chefs traditionnels d'accepter chacun à son niveau, de faire respecter les règles de la tradition d'Orléans du Mali. Cela nous permettra d'avoir une bonne traçabilité de la production du Nord sur les placeurs et également de faire en sorte que ce corps profite aux communautés et à l'État, parce que ce sera l'occasion pour l'État de prélever les impôts et taxes qui sont dues pour la production de l'or dans notre pays. Je vous remercie, M. le Premier ministre. Well, nous sommes inspirés par le fait que le secteur minier contribue beaucoup au développement et à l'économie nationale, comme M. le ministre l'a déjà dit, et contribue à 8% du produit intérieur brut du Mali. Des milliers d'emplois qui dépendent du secteur minier. Donc le Mali, avec sa position de troisième producteur d'or en Afrique, je pense que nous sommes en très bonne position pour contribuer non seulement au développement du pays, et en plus de la sous-région. Donc nous sommes très honorés par cette présence aujourd'hui, et nous allons tout faire pour contribuer au maximum possible. L'orpaillage compte aussi très en termes de développement du pays. C'est un secteur très porteur et comme vous le voyez, c'est beaucoup de personnes qui en dépendent. Et c'est juste, comme le ministre l'a dit aussi, il faut le restructurer et faire en sorte que les lois soient respectées et qu'on puisse comptabiliser de façon décente l'or qui est exporté en dehors du Mali et aider en plus. Monsieur le ministre des Mines, vous venez de faire un point quasiment complet sur les activités minières dans notre pays. En prélude aux échanges thématiques que vous venez de donner, nous avons souligné sur trois jours. En suite de ce que vous avez dit, indiqué, je voudrais saluer les efforts de tous ceux qui ont contribué à faire de ce secteur un véritable instrument de développement. J'ai une pensée émue à l'emploi des pionniers de la recherche minière. Oui, les pionniers de la recherche minière dans notre pays. Je pense à soi-même, à ceux qui ont animé des campagnes de forage de décennies durant. Aujourd'hui encore, pour ceux qui connaissent le lieu, les sites de Tarabanat, dans la région de Ménaka, j'avais vu le cercle de Ménaka, les sites de Tampo, Fanchi, sont le témoignage des Mali. Le Mali qui, très tôt, a pris conscience de ses richesses minières. Nous pouvions faire remarquer, à la suite de ce que M. le ministre a indiqué, la contribution du secteur minier à la croissance économique dans le pays, qui était presque mineure tout au long des années 60. A aujourd'hui atteint les 8%, 8% du PIB, procurant du coût au budget national environ 30% des recettes fiscales par an. Cela, il y a déjà quelques années, plusieurs années, je dirais quelques décennies. Cet essor véritable du secteur minier résulte de la combinaison d'un engagement volontariste et d'une synergie remarquable entre les acteurs concernés, c'est-à-dire tous les acteurs du secteur minier. Dans mon pays, la production minière reste encore centrée sur l'exploitation de l'or. Alors même que nombreuses données attestent l'importance de la diversité de son potentiel en ressources minérales. Le Mali est riche de son capital en or,
connu, bien connu depuis le 12e siècle. Ça a été indiqué par M. Ouattara, le maire, par M. le ministre. Le fait qu'on a permis d'équiper un arbre, le SOFA, notre guerrier, les vampires, les voyants, ce fait est connu depuis les Russes. Du Djama, il y a eu quelques trouvailles dans les zones de Kenyeba et de Yafubina. De même, est signalé ça et là à travers le pays. La présence d'autres substances minérales, outils, telles que le lithium, le manganèse, les phosphates, le cuivre, les pierres fines, et même les terres rares. Pour autant, le secteur minier est loin d'avoir comblé toutes les attentes. Certes, l'aura contribué, nous venons de l'indiquer, l'aura contribué à renforcer l'économie malienne, à valoriser le patrimoine national et les ressources du sous-sol. Mais il est aussi vrai que nous imaginons les dividendes autrement, depuis tout ce temps. Nous avions imaginé la part nationale forte croissance, une augmentation que nous sommes toujours en attente de voir cette courbe croître conformément à l'imaginaire dans ce domaine. Certainement par vos travaux, les échanges, vous me direz quel est le lien entre l'imaginaire et la réalité des exploitations. Il vous appartient, bien entendu, bien appréhender ces questions et autant de problématiques tout au long de ces états généraux, notamment dans les aspects des décentralisations. Décentralisation, c'est évoqué au bénéfice des collectivités territoriales, et ce, dans l'intérêt général. Voilà ce que nous attendons. Il s'agira également et opportunément de réfléchir sérieusement. Le développement de la petite mine, ça avait été indiqué par M. le ministre, et l'opportunité de nouvelles niches d'emploi. À cet égard, vous pourriez bénéficier de l'expertise de nos partenaires étrangers qui sont là dans ce pays depuis au moins 3 décennies et qui en fait montre un grand dynamisme dans le secteur. Ils sont restés très actifs. Il s'agira aussi de planifier, M. le ministre vous l'avait dit, la reconversion des sites miniers en développant les outils de mitigation des impacts environnementaux. Il s'agira de définir, vous avez insisté là-dessus, de définir les moyens de traçabilité quand il s'agit de l'itinéraire. Il s'agira d'accélérer le processus de renouvellement du parc minier malien en le souci de rendre le secteur plus compétitif. Mesdames et Messieurs, voilà ce que nous avons retenu des différentes interventions. Une belle rencontre, une belle matinée, après avoir fêté entre Bobo et Touré, Libéry et Traoré. Qu'est-ce que je vais dire à la fin? Vous souhaitez un succès, un bravo, et je déclare ouvert les états généraux du secteur minier pour tout le monde. Merci. Je vous donne l'opportunité, évidemment, de m'exprimer par rapport, évidemment, à ces assises qui représentent pour nous un tremplin très, très important pour le développement de notre secteur. Ces assises, on les attendait depuis longtemps, parce que ce serait le lieu pour nous d'exprimer en toute responsabilité, en toute démocratie, parce que nous sommes dans un état de démocratie, tous les enjeux qui sont des embûches et qui empêchent le secteur minier de se développer. Donc ces assises, ces états généraux, représentent pour nous une importance capitale
qui n'a pas pouvoir. Alors, sur le terrain, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées aujourd'hui au niveau du secteur minier et pétrolier? Beaucoup de difficultés. Je crois que si on fait un peu l'état de lieu, nous allons constater qu'aujourd'hui, au niveau en tout cas des textes législatifs réglementaires, en ce qui concerne par exemple leur établissement ou bien leur rédaction ou bien leur adoption, nous allons constater que les opérateurs miniers nationaux sont laissés pour compte. Ça c'est un état de fait. C'est un souhait avant que on va exprimer lors de ces assises-là pour que vraiment cela puisse se faire. D'autre part également, nous avons constaté qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a plus de recherche minière. La recherche, l'inventaire minier est complètement arrêté, totalement arrêté. Comment vous voulez que l'État puisse bénéficier de ces richesses si on n'invente pas encore, si on ne fait pas de recherche pour inventer, pour mettre en évidence plus de ressources. Or, le sous-sol regorge de nombreuses ressources dans ce pays. Ensuite, nous avons beaucoup de manques, une absence totale d'infrastructures routières, ferroviaires, énergétiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une monoculture il y a plus de 30 ans. On a besoin aujourd'hui de développer évidemment notre secteur à travers d'autres substances dont nous avons beaucoup. Par exemple, je donne des métaux de base, nous avons phosphate, nous avons évidemment de la bauxite, nous avons le fer, et surtout la bauxite de fer en milliards de tonnes. Et ces substances ne peuvent pas être exploitées sans une infrastructure ferroviaire. Or aujourd'hui, le chemin de fer qui unit Bamako-Dakar et vice-versa est un chemin de fer très vétuste, qui est un chemin de fer métrique qui a besoin d'être changé, d'être standard pour que vraiment les investisseurs puissent venir et s'intéresser évidemment à ces autres substances-là qui n'est pas leur seul. Donc, ça, c'est un manque. Donc, je profite évidemment de vos micros pour lancer un appel aux plus fortes sociétés pour que vraiment, là également, on puisse avoir une solution. Mais d'autres problèmes encore, ça n'en manque pas. On ne fait pas la promotion des nations. Dans aucun pays au monde, on peut se taper la poitrine que ce pays tend vers le développement, vers son développement, sans que les enfants, les citoyens de ce pays soient impliqués dans les questions économiques du pays. Or, qu'est-ce que nous constatons dans notre pays? Tout sauf ça. Les nationaux sont laissés pour compte. Il n'y a aucune politique d'accompagnement de ces nationaux. Nous n'empêchons pas les autres de venir exploiter notre richesse. Mais il faudrait que les nationaux soient impliqués dans la transition de notre richesse. Et c'est ça le problème. Depuis 30 ans, nous avons plus de 10 000 qui exploitent énormément de ressources. Aujourd'hui, quand vous allez à la Banque centrale, vous avez une crise totale de détour de devises. Pas du tout. Mais tout ça parce qu'il n'y a pas de relation, parce qu'il n'y a pas une politique volontariste du pays qui puisse accompagner évidemment les nationaux. Parce que tout ce que les nationaux vont produire, ça va rester ici. Tout à l'heure, je crois que le ministre Daniel vient de le dire, la production artisanale, c'est extrêmement important. Moi, je viens de rentrer du Soudan. J'ai été là-bas parce que nous avons perdu notre place, notre troisième place, au détriment du Soudan. Le Soudan vient de produire en 2016, 93 tonnes d'or. Le Mali est à la première place. Alors, le Mali était à la troisième place, avec toujours bon emballage entre 45 et 50 tonnes. Le Soudan vient de nous ravir cette place-là avec 93 tonnes. Et je suis allé jusqu'à la source. Et croyez-moi, les 93 tonnes, il y a 80% qui sont produits par les nations. Imaginez. Et ça, c'est une richesse qui va rester, qui va contribuer. Malgré qu'il y a la guerre dans ce pays, il fait bon vivre. Je donne également l'exemple de l'Afrique du Sud, qui était évidemment le premier foyer de l'apartheid, qui n'avait aucune considération, évidemment, pour les autres. Aujourd'hui, il n'y a même pas une semaine, l'Afrique du Sud vient de réviser son code minier, en intéressant évidemment les nationaux sud-africains, pour que les nations sud-africaines puissent être, en tout cas, puissent avoir la primaire, évidemment, de l'exploitation des activités minières en Afrique du Sud. Ça, il y a une semaine de cela. Donc, ce sont des éléments de référence sur lesquelles le Mali doit se baser pour améliorer en tout cas davantage la prestation de notre sous-sol. Merci beaucoup.
Est-ce que cela veut dire que nous l'avons fait ça pour que tu dois briller pour tous les Maliens? Mais l'or va briller pour tous les Maliens. L'or va briller pour tous les Maliens. Si les nationaux éclatent l'or, cet or-là est vendu. Je vous donne un exemple aujourd'hui. L'orpaillage, tout ce que vous avez aujourd'hui comme or, qui est vendu au niveau des soupes, au niveau marché, tout ce que nos femmes, nos enfants font comme bijoux, c'est l'or produit par la femme. C'est ça le problème. Parce que ça reste en Haïti et c'est vendu sous les terres. Sinon, l'or instrument produit est exporté. Vous ne voyez pas la couleur. C'est ça, c'est pourquoi on dit que les Maliens disent que l'or ne brille pas pour les Maliens. Mais je pense qu'avec de telles politiques, si l'État a la volonté de faire la promotion des nationaux, sans évidemment empêcher les étrangers de venir, parce qu'il faut qu'il y ait ce mixage, c'est extrêmement important pour les premiers secteurs, je pense que vraiment. L'or va brûler pour les nations. Concrètement. Pour les 99, 92. Maintenant, un mois en Bambara. Président, la fiscalité également. Non, président, un mois en Bambara maintenant. Alors, un mois en Bambara, ouais. Vraiment, Ngombe, Jamafo, l'autre est faux. Mais, c'est un gros mot, Yambara. En Gambara, mesdames et messieurs, le ministère de Mounia, Barani Mondo. Barani, en Gamba, on a depuis longtemps. On a en Bambara, parce que, en activité, en secteur minier, à Baraka, il y a Provincialement de Banda, à problème de l'accès à Fotimo, Nanya Fogo, Nifena, Mifanga Nari Kanafo, à Foyo Imanti, Rorei, Yanko. Parce que Nafraya, autorité ou Biname, Nafraya, Omi, Massi, Presse, Moye, Absika Sebe, Absika Fo, Akaradio, Absika Fakatirona. Pour que Kaplonga fasse vraiment 700 millions de Maliens, Absika Tanifé, tu vois cela, nous prouvons d'Obi, nous, ma, fesse, fesse. Il n'a pas, par exemple, un texte de la Chouboumi. Sariaou de la Chouboumi. Il faut que Sariaou soit là pour le monde. Nous, quand on a parlé, quand on a appliqué Mimna, nous nous sommes associés à Sariaou de la Chouboumi. Après, nous avons un secteur minier, 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 un secteur Kaji pour que vraiment nous nous donnions la flou et qu'on a encore une flou, parce que pour la sur le canal. Mais bien en bas, j'ai dit en bas, il faut vraiment faire charmant de banger. Il y a d'amener à bord du boli, catable la fois, comment on appelle là, sur la frontière de la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, à veiller la flou, à veiller la flou. Bibi n'a ambassé qu'à faire charmant, ambassé qu'à boxer de bois, où il faut gagner. N'a pas eu de bobine, n'a pas eu d'énergie de bébé. Naïf comme on dit, il va émotion, on va visiter la planète dans la compagnie. C'est ce qu'on appelle les pays émergents. Je donne l'exemple du Brésil. Ils ne sont pas mieux que nous. Seulement, il y a eu des politiques volontaristes. Il y a eu des politiques de là. Il y a eu autorité politique de là qui vraiment des mains pour que vraiment aucun afro ne passe à Bayrema. Je ne sais pas faire là avec toi là. Je ne sais pas action ta. Mais qu'à faire des sociétés d'État de la ça, sous chaque. Ça nous voilà nous mener à Barakela qui m'a comme dit c'est que Mali doué. Oh hal ça on va faire Mali ta kaké jume. Abi c'est que Mali doué tu vois. Abi c'est Mali doué. Ou bien c'est que Mali. Ou le Barakela temporaire ou te fait tout bro. Politique faut te mais c'est qu'à faire mais qu'à faire bon. Abi c'est que now Barakela oui. Bon ni en rien ni rien. Je suis un peu plus de temps.
parce que Soudan allez ça nous bon ça nous donne que mais Autant de bicontrant, bien mais 80%, 85% pardon, bien mais c'est-à-dire Tony Kemekeme, bien mais Tony Bisekinduru, ou de manade on y a. Ah, on y a un autre qui s'est mais à que mais il faut que nous le fions, c'est pour qu'on va mettre la barre avec ça. Ah, le Dajra gouvernement. Assisi, Abina Dajra Ressani, Assisi, pour que vraiment le gouvernement soit politique d'Ota, qui a dit de l'Ita Soudan, c'est la guerre, mais c'est fait moins à ce que parce que je me suis dit que je faisais un baraque. Je me suis dit que je faisais un baraque. Je me suis dit que pour tout le monde, je faisais un baraque. Je me suis dit que je faisais un baraque. Je me suis dit que l'Afrique du Sud, je me suis dit que kabla frafinga wala ni sarano yele mana obi o sa yoma ni sarano yele ma bi sa ma ko se passe anga jamana na frafinga anga jamana la ya famia ati frafinga jamana da bara bala ka ni sarano bi sa ma ko yele bara mi ka ke sarano bi abi sa mi so yele ma kuma do sarano yele ma bi do nas wala ma yele ma do ni chugo de manyi nya fi ni yele ma bi do sarano lo yanga babu ni lo yanga luo ni kanga da chugo ni amanga la ya me mi ni be bala ke mi ni be bala nya do amanga ta u ko ya famia abi appliquer mina et vous a pour dire que vous et là comme moi pour dire attendez et là pour dire vous savez tout monsieur président.